Yes, he showed us grace. Bien-aimé, je répète toujours, Seigneur nous a fait grâce. Beloved, I repeat always that the Lord Il y a showed des us gens grace. Qui sont meilleurs que nous. There are people better than ils us. Sont beaux, ils sont belles. They are beautiful, they are handsome. Mais l'heure que nous parlons, but the hour we're speaking, si on les appelle, if they were to be called, ils ne peuvent plus parler. They can no longer speak. Malgré leur accent, despite their money, malgré leur intelligence, despite their intelligence, malgré leur force, despite their strength, ils ne pourront pas parler. They can no longer speak. Mais toi et moi, however, you and on I, rien. We are nothing. On a rien. We have nothing. Mais la grâce de Dieu, but God's grace, qui dépasse toutes les fortunes du monde, it surpasses all of the world's fortune, has been granted to us. Et on peut nous appeler parmi les vivants. And we'll be called among the living. Gloire à Dieu. Glory to God. C'est David. It is David who says, âme, my soul, bénis l'Éternel, bless the Lord, et tout ce qui est à moi, and all within me, bénis son saint nom, bless his holy name. N'oublie pas ses bienfaits. Don't forget his goodness. C'est lui qui t'a guéri. It is him who healed you. C'est lui qui t'a délivré. It is him who delivered dans you. Dans la main de tous tes ennemis. From the hands of all your enemies. C'est lui qui t'a délivré de toutes les accidents. It is him who delivered you qui from all of the protégé. Accidents. Who protected you? Pourquoi ne pas dire merci? Why not say thanks to God? Bien-aimé, beloved, je profite de cette occasion. I take advantage of this occasion. Pour vous saluer. To greet you. Partout où vous êtes, wherever you might be, que la paix de Dieu soit avec vous. May God's peace be with you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et qu'il vous élève. And may He elevate you. Sans tarder. Without delay. Nous allons prier. We are going to pray. Après la prière. After the prayer. Vous allez voir ce préambule. We're going to see this preface. Dieu va nous aider. And God's going to help us. Amen. Amen. Nous prions au nom puissant de Dieu. We pray in the powerful name of Jesus. Dieu trois fois saint. God three times holy. Nous voulons te dire merci. We want to say thank you to you. Pour tout ce que nous allons faire. For all that we're going to do. Seigneur. Lord. C'est tout ce que nous allons faire. You said that all that we're going to do. De te confier. To entrust it to you. Nous confions ce moment dans ta main. We entrust this moment into your hands. Tu es le Dieu tout puissant. You are the God Almighty. Le commencement et à la fin. The beginning and in the end. Nous remettons ce vidéo dans ta main. We entrust this video into your hands. Ceux qui interprètent. The person who interprets. Tous les caméramans. The cameraman. Tous ceux qui ont mis les vidéos sur YouTube. All those who et have published on YouTube. Écouter, and all of you listening. Touche nos cœurs. Father, touch our hearts. C'est toi qui touches les cœurs. It is you who touches the hearts. Et c'est toi qui circoncis les cœurs. It is you circumcises the hearts. Circoncis nos cœurs. Circumcise our hearts. Enlève-nous un cœur de pierre. Take a heart of stone in et us. Et donne-nous un cœur de chair. And give us a heart of flesh. Pour faire ta volonté. To do your will. Pour faire ce que tu veux. To do what you want. Que ton nom soit May your name be blessed. Mon Dieu, mon roi. My God, my King. Tu es fidèle. You are faithful. Tu es fidèle. You are faithful. Nous te bénissons. We bless you. Maintenant. Now. À jamais. And forevermore. Mon Dieu, mon roi. My God, my King. Je bénis ton saint nom. I bless your holy name. Cet enseignement. This teaching.
Least deliver me. Deliver. Must deliver us. Toutes les pièges. All of the traps. Qui sont derrière les appels. Which are behind calls. Seigneur, ouvre nos yeux. Lord, open our eyes. En tant que nous les enfants de Dieu. As the children of God. On a arrêté à mentir. We need to stop lying. Aide-nous. Help us. À faire ta volonté. To do your will. Mon Dieu, mon roi. My God, my King. Merci. Thank you. Ma force. My strength. Ma sagesse. My wisdom. Tout ce qui est en moi. All that is within me. À jamais dans ma vie. Be reduced forever in my life. Que ta force. And may your strength. Ta sagesse. Your wisdom. Augmente pour toujours. Increase forever. Oie ma langue. Anoint my tongue. Pour parler à ton peuple. To speak to your people. Mais est-ce que tu l'as fait? Thank you because you have done it. Toute flèche. Toutes les armes que l'ennemi vont lancer tombent dans le sang. And all arrows and weapons which Satan is going to send fall in the blood of Jesus. Toutes armes forgées contre nous. All weapons forged against us. Sans fait au nom puissant de Jésus. Not only for the powerful name of Jesus. Ils vont former les projets. They're going to plan against us. Les projets des sorciers, les démons. Witches and demons. Ils seront anéantis au nom puissant de Jésus. But they'll be nullified in the powerful name of Jesus. Car Dieu est avec nous. Because God is with us. Si Dieu est pour nous. If God is with us. Qui sera contre nous? Who can be against us? Personne. No one. Nous sommes plus que vaincus. We are more than conquerors. Par celui qui nous a aimés. By him who loved us. Merci. Thank you. Nous ferons tout en ton nom. We will do everything in your name. Au nom du sang glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, serré tout ce qui est dans le sang de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. In the powerful and glorious name of Lord Jesus Christ, we have prayed and sealed all of these requests by his precious blood. Amen, amen, amen. Bien-aimé. Beloved. Après ce prière, after this prayer, nous allons voir ce préambule. We're going to see this preface. Préambule. Preface. Préambule. Preface. Préambule. Preface. Quand quelqu'un t'appelle, when someone calls you, comment réagis-tu? How do you react? En voyant leur appel. When you see their calls. Ta réaction. Your reaction. Ta façon de faire. Your way of doing things. Peut-il te conduire au ciel? Can it lead you to heaven? Le père des nations. The father of nations. L'apôtre de DDGISM. The apostle DDGISM. Bien-aimé. Beloved. Pourquoi on fait cet enseignement? Why are you making this teaching? Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Is this something which is important? Oui, c'est important. Yes, it is important. Est-ce que portable, c'est quelque chose qui est bon? Phone or this pour thing de Dieu d'utiliser. For a child of God to use. Oui, c'est bon. Yes, it is good for them to use. You can use a phone. Parce que la Bible dit quelque chose. Because the Bible says something. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthians 6. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Verse 12. Dis-moi. Je parle de Dieu, notre Tout-Puissant, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Amen. Alléluia. Praise be to God. Cette parole dit. This word says. Tout m'est permis. All is permitted. Mais tout n'est pas utile. But not all is useful. Tout m'est permis. All is permitted. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. But not allow myself to be subjected by Alléluia. Anything. Praise be to God. Dans le temps de Jésus. In the time of Jesus. Jésus n'a pas utilisé portable. He did not use a phone. Ni les disciples de Jésus. Neither his disciples. Personne n'a pas utilisé. Nobody used them. Et personne n'a pas utilisé YouTube. Nobody used YouTube. Personne n'a pas utilisé Facebook. Nobody used Facebook. Personne n'a pas utilisé WhatsApp. Nobody used WhatsApp. Personne d'entre eux. None of them. Personne. None. N'a pas utilisé. Use them. Mais aujourd'hui. But today. Le monde a évolué. The world has evolved. Oui, le monde a évolué. Yes, the world has evolved. Et ça peut nous aider. And it can help us. Quelqu'un qui est en Europe. Somebody who's in Europe. Il peut appeler quelqu'un qui est en Afrique. Can call somebody in Africa. Quelqu'un qui est en Afrique. Can somebody in Africa. Peut appeler quelqu'un qui est en Europe. Can call somebody who's in Europe. Peut-être pour un problème. Maybe for a problem, an issue. Mais tous ces gens, notre Seigneur Jésus. But all of these people, the Lord Jesus Christ. Si vous voyez, il n'y a pas cette vidéo sur YouTube quand il est venu sur cette terre. If you see his videos on YouTube when c'est he came on YouTube Earth. YouTube n'existait pas même. Means that YouTube did not exist at mais his time. Si vous voyez tous les disciples de Jésus, ils n'ont aucune vidéo sur YouTube. If when you see all of his disciples, none of them had any video ils on YouTube. Ils n'avaient aucune caméra pour filmer tout ce qu'ils ont fait. They neither did not have any camera to film everything which they were doing. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu. But today, by the grace of God. Par le Saint-Esprit. By the Holy Spirit. Par le Saint-Esprit. By the Holy Spirit.
Nous avons tout ce que nous sommes, frères. We have all of these materials and devices. C'est pour cela la Bible dit. It's the reason why the Bible says. Notre Dieu. Our God. Il est saint. Is holy. Trois fois saint. Three times holy. Toi qui veux le servir. You want to serve him. Il faut être saint. You also need to be holy. C'est important. It is important. C'est très très important. It is very extremely Notre important. Dieu c'est un esprit. Our God is a spirit. Celui qui veut le servir. He wants to serve him. Serve Dieu en esprit. Must serve him in spirit. En vérité. And in truth. Serve Dieu. Serve God. En esprit. In spirit. Et en vérité. And in truth. C'est très très important. It is very important. Vous allez voir à l'époque. You're going to see at the time. C'est Éthiopien. This Ethiopian. Qui lit la Bible? Who used to read the Bible? Il ne comprenait pas. But did not understand what he was reading. Dans le Messie dont parle. The Messiah spoken about. Mais il n'avait pas le téléphone. He did not have a phone. Malgré il était riche. Despite being rich. Mais comme Dieu il est Dieu. But as God is God. Saint-Esprit a pris Philippe. The Holy Spirit took Philip comme téléphone. As a phone. Directement, il a amené vers l'Éthiopien. Directly, he brought him towards the Ethiopian. Et puis, il a dit, est-ce que je peux t'aider? And he asked him, can I help you? Je peux t'aider? Can I help si you? Avec le téléphone. If he had a phone. Directement, Philippe devait appeler cet Éthiopien. Philip would have called this Ethiopian. Pour lui dire, vous lisez quelque chose, vous ne comprenez pas. Est-ce que je peux vous aider? To say, you're reading something, you're not understanding it. Can I help you? C'est quelque chose qu'on a un téléphone, c'est quelque chose de communication. So having a phone is for communication. Si j'ai un souci, j'ai un problème. If I have a problem, if I have a worry. Si j'attends que mon frère vienne de l'Amérique ou bien ma soeur vienne de l'Allemagne, le problème peut me détruire. Au moins, je peux le dire d'avance. If I hear that my brother comes from America or from Germany, I can call them because this problem is so hard. Saint-Esprit, meilleur téléphone, c'est le Saint-Esprit. The best phone is the Holy Spirit. Meilleur téléphone, c'est le Saint-Esprit. The best phone is the Holy Parce Spirit. Parce que avec lui, because with him, tu attends tout. You hear everything. Et tout se passe bien. And all goes well. Tout se passe bien. All goes tout fine. Va bien. And all is Parce okay. Au ciel, because in heaven. Quand Dieu m'a fait grâce, j'ai vu le ciel. When God showed me grace and j'ai I saw constaté, heaven. I noticed. J'ai vérifié, I verified. Pour voir to see. Si quelqu'un utilise téléphone. If somebody uses a phone. Je veux savoir c'est quel téléphone Jésus lui-même utilise. I want to know what phone Jesus uses. Mais je n'ai rien vu de cela. But I did not see anything like that. Téléphone au ciel. There is no phone in heaven. Mais le vrai téléphone. But the true phone. Tout ce que tu penses. All that you think about. Ton frère, il a déjà dans sa tête. Your brother already has it in his mind. Tout ce qui est dans ton cœur. All that's in your heart. Ton frère, il a déjà. Your brother already has it in his heart. Quand tu viens au ciel. When you come to heaven. Pour rester pour toujours. To stay there forever. Tous les saints, tout il sait que toi tu es venu pour rester pour toujours. All the saints know that you came Mais to stay there forever. Mais quand tu viens pour repartir. When you come and to go il back. Il le sait aussi que lui ne veut pas rester. They also know that you will not stay there forever. Il est venu pour repartir. You just came and to go back. Au ciel, il n'y a plus quelque chose qui est caché. That is in heaven, there is nothing which is hidden. C'est comme on dit, l'esprit de l'homme. As it is said that the spirit connaît of man tout ce qui est en l'homme. Knows all about a man. Et l'esprit de Dieu. And the spirit of God. Connaît tout ce qui est en Dieu. Knows all that is within Nous God. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. De la parole de Dieu, notre tout puissant, du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 9e en allant. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Bien-aimé, beloved, la Bible dit, the Bible declares, non, c'est ce qu'il a écrit.
What is written? Ce que l'œil n'a pas vu. What the eye has not seen. Ce que l'oreille n'a pas entendu. The ear heard. Et ce que n'a point montré au cœur de l'homme. And what has not entered into man's heart. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. What God prepared for those who love him. Il y a des choses. There are things que ton œil n'a jamais vu. That your eyes have never seen. Il y a des choses. There are things que tes oreilles n'ont jamais vu. Your ears have never heard. C'est vrai. It is true. Tu as de l'argent. You have money. Tu peux voyager partout. You can travel wherever tu you want. Tout. You have tu everything. As tout vu. You have tu seen as everything. Tout you have done everything. Mais il y a des choses. But there are things. Quand tu diras, when they will be told, tu seras étonné. You will be astonished. C'est vrai. Que it's tu true. Pas encore voyagé. That you have not yet traveled. Partout dans le monde. Everywhere in the world. Mais j'ai fait un peu. But I've done a little. Mais. However. Le jour. The day. Que j'ai vu le ciel. That I saw heaven. J'ai regardé toute l'Europe, l'Asie, l'Amérique, tout comme poulailler. I considered Europe, Asia, America as all chicken coops. C'est comme poulailler. It's as chicken coops. As garbage. Le ciel joli. Heaven is beautiful. C'est que mes deux yeux n'ont jamais vu. It's what my two eyes have never seen. Dès que je l'ai vu. As long as I saw it. J'ai dit wow. I said wow. C'est que mes deux oreilles n'ont jamais entendu. It's what my two ears have Quand never je heard. Quand j'ai entendu, j'ai dit wow. When I heard about it, I said wow. Tout ça là. All of it. Tu as préparé. God prepared pour ceux qui l'aiment. For those who love him. Est-ce que tu aimes Dieu? Do you love God? Il y a des choses que Dieu peut faire aussi dans ta vie. There are things that God can also do Depuis in your life. Depuis que tu es né. Since you were born. Tu n'as jamais vu ça. You've never seen it. Je vais vous dire quelque chose. I'm going to tell you something. Il y a des prostituées. There are prostitutes. Que les gens normaux ils ont marqué. That normal people married. Le jour les gens normaux la trouvent prostituée. The day the normal people found a prostitute. Ce prostitué a arrêté sa vie de prostitution. This prostitute stopped his prostitution. C'est que cet homme a changé son histoire. It means that this man changed her story. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui. But there are Christians today. Qui ne sont pas des prostituées. Who are now prostitutes. Ils se sont mariés des they hommes. Got married. Le jour se sont mariés. The day they c'est got c'est married. Le jour où leur vie se devient l'enfer. It is the day that their life became sa a hell. Sa vie est de plus que prostituée. Their life became more than a prostitute. Les choses deviennent contraires. Things have become contrary. C'est une vérité. It is the truth. Il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie. There are people who are going to enter tout into your life. Change. And everything changes. Il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie. And all those who are going to enter into your tout life. Malheur est là. And all misfortunes are going to enter. Mais Dieu dit. But God says. Ceux qui l'aiment. Those who love him. Dieu a préparé quelque chose. He prepared something for them. Que leurs yeux n'ont jamais what their two eyes have never que seen. Leurs deux oreilles n'ont what jamais their two entendu. Ears have never heard. Ce n'ont jamais pensé. What they've never thought or pondered about. Jamais imaginé. And what they've never imagined. C'est ce que Dieu a préparé. That's what God prepared for them. Ceux qui aiment Dieu. For all those who love c'est God. L'esprit de l'homme. It's the reason why man's spirit connaît ce qui a l'homme. Knows what is inside of him. Toi, on peut dire, on ne te connaît pas. Somebody can say, we don't know you. Pas ton esprit. But not your spirit. Ton esprit te connaît mieux que toi. Your spirit knows you better than yourself. C'est pourquoi Dieu lui peut dire. It's the reason why God can avant say, de m'invoquer, before calling je me, sais ce que tu en as. I know what you need. Parce que lui connaît tout. Because he knows everything. Il juge même nos sentiments. He even judges our feelings. Il connaît nos cœurs. He knows our hearts. Il connaît nos pensées, he knows our thoughts, ton âme, your soul, il connaît tout. He knows everything. Il n'y a rien de caché devant Dieu. There's nothing hidden before God. Bien-aimé, beloved, qu'est-ce que je vais dire par là? What am I trying to Dieu say by ceux this? Qui l'aiment. God says for those Dieu who love him, quelque chose pour he prepared something for them. Est-ce que tu as une fois pensé de ce que tu as préparé? Have you once thought about what God prepared for you? Ouais, comment Joseph, il aime Dieu. Do you see how Joseph loves God? Et il a rêvé. He dreamed. Quand il a dit ça à ses frères, when he told his dreams to his brothers, tous se sont énervés contre lui. Each one of them got mad at ils him. Ils ont posé la question. They asked him the question. Avec ton rêve là, with your dream, est-ce que tu veux régner chez nous? Do you want to rule, avec reign ton over rêve us? Là, tu viens de dire. With your dream, est-ce que tu veux nous gouverner? Do you want to govern us? Là, à cause de la parole de Joseph, and because of et Joseph's à cause de words, rêve, and because of his dream, son frère l'ont détesté à mort. His brothers hated him although to death. Bien-aimé, beloved, vous connaissez l'histoire de Joseph. You know Joseph's story. Ils l'ont vendu. They sold him. Il a su beaucoup de choses. He experienced many things. Il a su beaucoup de choses. He experienced la many things. La femme de Potiphar s'est menti dans son corps. Potiphar's wife also il lied on his behalf. Prison. He was taken and thrown into prison.
Mais il est toujours fidèle. However, he was always faithful à son Dieu. To his God. Il croit toujours à son Dieu. He always believes in his God. À un bon moment aussi. At a certain point in time. Regardez ce que Joseph avait dit. Look what Joseph said. Il a expliqué le rêve aux deux gardes, les deux hommes qui travaillaient pour Pharaon. He explained the dreams for the two people who worked for Pharaoh. Il a dit, toi, ton rêve, he said, your dream, dans trois jours, in 3 days, Pharaon va te libérer. Pharaoh is going to set et you free. Et tu commences à faire ton travail. And you're going to begin to do your work again. Mais ne me oublie pas. But don't forget me. Je t'en prie. I beg you. Comme toi, tu vas voir Pharaon pour le servir. Since you're going to see Pharaoh serving him. À ma faveur. Speaking on my behalf. Qu'on me fait sortir ici. That I might be taken free. Lui-même ne savait pas. He did not know. Que son rêve qu'il avait eu. That his dream which he sera had. Réalisé en Égypte. Would be reached, realized in pas. Egypt. He did not know. Même si on le disait que son rêve sera réalisé en Égypte, il ne pourra pas croire. Even if you are told that his parce dream would be realized in Egypt, il y a des degrés. Because in Egypt there is en Égypte, c'est les gens du 100 ans. In Egypt, it's Satan's people. C'est pour cela qu'il dit qu'on n'a qu'à parler à sa faveur. It's the reason why he said to speak on his behalf. Quand le monsieur est sorti. When the man quand was il a set dit free, sa femme, ses enfants. Il a oublié Joseph. Pendant 2 ans, il a oublié. He saw his children, his wife. He forgot il Joseph faut for que 2 years. Pharaon aussi rêve. It was a master Pharaoh had to dream also. Pharaon rêvait. Pharaoh also dreamed. Et puis fait la signification de ce rêve. And he wants the meaning of this dream. Tous les charlatans expliquaient. All of the witch doctors explained. Tous les magiciens expliquaient. All the magicians explained. Pharaon dit, c'est pas ça le rêve. Whatever Pharaoh said, that's not the dream I had. Tu ne connais rien, t'expliques. Tu dis, non, c'est pas ça le rêve. If you don't know anything and you explain, they said, no, that's not the dream. Et c'est ça, le Potiphar avait dit, le monsieur. And that's what Potiphar said to et the man. Il faut parler à Pharaon qu'il y a quelqu'un qui explique le rêve. Ask Pharaoh if there's somebody who explains dreams. Il dit, mon roi, est-ce que je vais te parler dans le rêve? Il dit, viens. My king, can I speak to you? Il dit, il y a quelqu'un qui explique le rêve. There is somebody who explains il dreams. Il dit, c'est qui? Who is it? Il est un esclave. He's a slave. Il est où? Il dit, il est where moment. Is he? He's in prison. Touch us. You dare? Me dit qu'un prisonnier, tell esclave hébreu. A slave. Va m'expliquer moi le roi Pharaon mes rêves. Can explain my dream, me Pharaoh. C'est là Potiphar prit la parole dit. That's why Pharaoh took oh, the word and said. Roi. Oh great king. Il peut t'expliquer ton rêve. Yes, he can explain your dream to you. Il a dit, ne dis rien à Joseph selon mes rêves. He said, do not amenez-le vers moi. Do not say to Joseph anything about my dreams. On l'a just amené. Bring him to me. And he was brought to Pharaoh. On n'a rien lui dire. Nothing was told to him. Dès qu'il est arrivé. When he came. Tout le monde doit se prosterner. Everybody had to bow down. Joseph dit niet. Joseph said no. Potiphar a dit prosterne-toi. Potiphar said bow down. Il dit Pharaon est le grand roi c'est vrai mais il n'est pas mon Dieu. He said yes Pharaoh is the great king however he is not my God. Potiphar a dit il va couper ta tête il n'y a pas de problème. Potiphar said he's going to cut your head he said no Pharaon problem. La scène qui s'est passée tout à l'heure devant lui. Pharaoh observed the scene which happened in front of him. Pharaoh appréciait Joseph. Pharaoh appreciated Joseph. Il dit voilà celui-là c'est un homme. He said yes right there there's a man. Pharaoh précise un mot. And Pharaoh precised cet a word. Cet homme ne mentira pas pour sauver sa vie c'est un homme. This man will not lie to save his life. Il ne veut he pas is a faire man. Semblant. Non. He does not want to pretend. Hypocrite non. He's not a hypocrite. Il dit niet. He says no. Il peut couper ma tête. He can behead me. Je ne procéderai pas pour lui. I will not bow down for him. Wow. Wow. Impressionnant. Impressive. Il dit il n'y a pas problème. He says no problem. C'est moi qui ai problème. It is I who have the problem. J'ai fait tel rêve. I had a dream. J'ai vu que. I saw. Yeah. Sept bœufs qui sont maigris. Seven skinny cows. Et qui ont avalé sept bœufs qui sont en forme. And who ate seven cows who are fat? Il y a le maïs maigre. I saw. Et il y a le maïs corn. Qui est gros. Puis le maïs maigre a avalé tous les maïs qui sont gros. The skinny corn ate up the skinny. C'est the ça fat. Je veux l'explication. That's what I want the interpretation of. Bien-aimé, beloved, même dans la mort, even in death, Joseph n'est pas pour martyr.
Joseph did not want to lie. Pharaon a vu ça. Pharaoh saw it. C'est pour cela le premier jour seulement quand Pharaon a vu ça. It's the reason why the first day Pharaon when Pharaoh saw son cœur. He said in his heart. Cet homme malgré l'enfant. This man, despite being a child, sera mon père. Will be my father. Cet homme, this man, il n'est qu'un enfant. He's only but a il child. Sera le maître de toute ma maison. He will be the master of all of my house. Cet homme, il n'est qu'un jeune. This man is only but a mais young sera man. Mon gouverneur. But he will be my governor, first minister, prime sans minister. Lui, without him, personne ne lèvera pas son pied. No one will raise up sans their hand. Lui, without him, personne ne lèvera pas sa main. Nobody will raise up their hand. Joseph, Pharaon va dire. Pharaoh said, tu verras nous un homme qui a la sagesse et a l'esprit de Dieu en lui, comme cet homme. Can we find somebody who has wisdom and the spirit of God like this man? It means there's nobody like him. C'est comme ça l'esprit de Dieu aussi connaît tout ce qui est profondeur dans le cœur de Dieu. L'esprit de Dieu connaît tout. That's how God also, the spirit of God knows everything that is inside of God. L'esprit de Dieu connaît tout. The spirit of God knows everything. L'esprit de Dieu connaît tout. The spirit of God knows everything. À nous, Dieu nous a révélé par l'esprit. In us, God revealed to us. Car l'esprit sont tout. Because the spirit même la profondeur de Dieu. Even the deepness of God. Donc, qui donc? Who then? Parmi les hommes. Among men. C'est ce qui concerne l'homme. No one concerns man. Si ce n'est l'esprit de l'homme if it's qui not est a en man's lui, spirit, which is inside of him. De même personne ne connaît ce qui concerne Dieu. In the same way, nobody si knows ce n'est what pas l'esprit God, de Dieu. If it's not God's spirit. C'est-à-dire l'homme. That what that means is that pour man. Pour savoir quelque chose à un homme, il faut l'esprit qui est en lui qui connaît tout ce qui est en l'homme. Do you know what's inside a man? You need to have his spirit, ainsi which knows all about him. Ne connaît rien de Dieu. And also, nobody knows anything sauf about God. L'esprit de Dieu. Qui connaît tout ce qui est en Dieu. Except God's spirit which knows everything which is inside of God. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. We did not receive the spirit of the world. Mais l'esprit qui vient de Dieu. But the spirit which comes from God. Afin de savoir ce qui Dieu nous a donné par sa grâce. In order to know what God gave us through his grace. Et nous en parlons. And we speak about it. Non avec des discours d'enseigner de la sagesse humaine. Bien-aimé. Beloved. L'esprit de Dieu. The spirit of God. Est différent de l'esprit du monde. Is different from the spirit of the world. Mais aujourd'hui, c'est comme les choses ont mélangé. It's as if today things are changed. Avec téléphone aujourd'hui. With the phone today, les choses mélangent. The things have changed. On ne connaît plus les enfants de Dieu quand ils sont au téléphone. We no longer recognize the children of God when they are on on the phone. On ne connaît plus les enfants de Dieu quand ils sont au téléphone. We no longer recognize the children of God when les they enfants are talking du on the monde phone. Quand ils sont au téléphone. We no longer recognize the children of the c'est world comme les when enfants they're on de the Dieu, phone. C'est eux qui ont devenu pire avant du monde. It's as if the children of God have become worse than the children of the world. C'est comme c'est une dame qui avait dit à ses enfants. For example, a woman who said to his children, personne ne doit pas mentir. Nobody should lie. Personne ne doit pas mentir. Nobody should même lie. Même si on veut te tuer, il faut dire toujours la vérité. Even if they're going to kill you, you always et have to say the truth. Dit à leur maman qu'on a, on a compris. And the children said to the mother, we understand. Maintenant, now, sa maman doit à quelqu'un. Their mother owes somebody something. La personne a appelé. The person called. La maman a pris le téléphone et donne à son enfant. The mom took the phone and gave it to et his dit, child. Dis-lui que maman n'est pas là. My daughter said that mom is not there. Maman a voyagé. Mom traveled. Quand l'enfant décrochait, il a écouté ce que sa maman a dit. When the child, the daughter picked up, she heard what her mother said. Alleluia. When she took the phone, said Alleluia. Où est ta maman? Where is your mom? Maman m'a dit, de la carte, elle dit qu'elle a voyagé, mais elle n'a pas voyagé. Il est ici, à la maison, présentement. My mom told me to tell you that she traveled, however, she has not traveled. She's here at home. Ma maman m'a dit, de la carte, mentir, mais lui-même nous a enseigné que nous ne devons pas mentir. Elle est là-bas, ici. Viens voir, maman est à la maison. My mom told me to lie to you, however, she taught us to not lie. Come and see, mom is here at home. Et la dame dit même, je suis à la porte même. And the woman said, yes, I'm at the door. Madame. Madam. Tu me dois, non? You owe me, no?
Tu m'as menti fatigué que tu es en voyage. You lied to me tiredly that you traveled. Dieu merci que toi-même là tu as enseigné ta fille. God thank you that you yourself you taught your daughter. De ne pas mentir. Do not lie. Ma fille, que Dieu te bénisse. My daughter, may God bless you. Que Dieu te lève. May God elevate you. Ne fais pas comme ta maman. Don't you as your mom, eh? Madame, tu me dois. Madam, you owe me. Et la dame a payé. And the woman paid. Et la personne a fait, toi. He called his daughter and said, you. Oui, bien. Tu auras faim aujourd'hui là. Today is your end. You'll be hungry. C'est avec cet argent je voulais vous préparer, mais voici j'ai remboursé. Tu auras faim ici là. With this money I wanted to make food. You are going to prepare. You're going to go hungry today. J'ai faim ou pas, oh, maman? C'est toi-même qui nous as enseigné qu'on doit toujours dire la vérité. Whether I'm hungry or not, mom, you taught us to always tell the truth. Enfant de Dieu. Child of God. Quand on t'appelle au téléphone. When they call you on the phone. Tu vois l'appel. You see the call. Tu vois l'appel. You see the call. Tu ne décroches jamais. However, you never pick it up. Tu vois l'appel. You see the call. Tu ne décroches jamais. But you never pick it up. C'est bon? Is it good? Tu ne sais pas pourquoi la personne appelle. You don't know why the person is calling tu you. Tu ne sais pas pourquoi la personne insiste. You don't know why the person is insisting. La personne insiste. The person is insisting, insisting. Tu ne sais pas. You do not know why they're insisting. Mais tu ne décroches pas. However, you do not pick up the phone. Bien-aimé. Beloved. Parce que tu es libre. Because you are free. Parce que tu as tout. Because you have tu everything. N'as pas besoin de quelqu'un. You do not need anybody. Mon frère, Dieu te voit. My brother, God sees you. Dieu te voit. God sees you. Il te voit. He sees you. Dieu résiste les orgueilleux. God resists those who are les prideful. Orgueilleux. God resists those who Proverbe are prideful. Proverbe 16, verset 18. Dieu résiste les orgueilleux. God resists the prideful. Dieu va te résister. God is also going to resist you. Dieu, quand tu commences à faire ça, quelqu'un t'appelle. Non, je ne connais pas son numéro. Non, je ne connais pas son numéro. Dieu va te surprendre. When you begin doing this, somebody calls you. Do not pick it up because you say, I do not know their number. I do not know their number. God is going to surprise you. Dieu va te surprendre. God is going to surprise you. Oui, lis-moi ça. J'ai la parole de Dieu au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Bien-aimé, beloved, tu vois l'appel. You see the call. Quelqu'un t'appelle. Somebody calls you. La personne insiste. The person is insisting. Tu ne décroches pas. However, you do not pick up. Même quand tu vois, tu coupes. Even sometimes you hang up. Pas que tu pries. Hein? Now that you're praying. Pas que tu fais quelque chose. Now that you're doing something quand important. Quand tu coupes l'appel. When they call you, you do not hang tu up. Tu coupes l'appel. When they call you, you hang up. Parce que tu ne connais pas le numéro. Because you do not know the number. C'est l'orgueil, ça. That is pride. L'orgueil possède. L'orgueil possède quoi? La ruine. Bien-aimé. Beloved. C'est la chute qui est là. It is destruction fall which is there. L'arrogant possède la ruine. Arrogance precedes fall. Changeons nos vies. Let us change our lives. Désastre et inespérant possède la chute. Bien-aimé. Beloved. Quand tu es arrogant. When you are arrogant. Tu vas tomber comme le diable. You're going to fall like the devil. Moi je ne connais pas la personne, il m'appelle. Non, moi je ne décroche pas. Les appels que moi je ne connais pas, c'est l'orgueil. I don't know the person. C'est I'm going to pick up. I do not pick up phone calls which toi, I do not Dieu. Know. That is arrogance c'est and pride. C'est que Dieu fasse quelque chose pour toi. You are a child of God. You are waiting that God do something for you. Ce que tes yeux n'ont jamais vu, tu attends que Dieu le fasse. Your two eyes have not seen. You're waiting quand God to do it. When somebody calls you, décroche. Pick up. Mais regarde les gens. But look at quand ils décrochent l'appel. When they pick up the call, regarde leur ton. Look at your tone. C'est qui? Who is it? Qui t'a donné mon numéro? Who gave you my number? Doucement. Calmly. Tu ne vas pas mourir un jour. Aren't you going to die one day? Et tu ne chies pas. Do you not go to the washroom and poo? Tu vas où avec tout ça là? Where are you going with all of this attitude? Surtout si la personne fait une erreur. Most of all, if the person committed an error. Et il a appelé. And called you. Et puis il dit, c'est Kofi? Is it Kofi?
Au lieu de dire la personne, vous êtes trompé le numéro. Instead of saying, ah, you called the wrong number. Il dit, est-ce que c'est le numéro de Kofi? Tu es malade, tu as pris l'alcool, mais tu ne sais pas qui. Tu ne connais pas, c'est qui appelle, qui est trompé le numéro. Tu ne sais pas. You respond, is this Kofi's number? Are you sick? But you do not know who is calling you, whose number? Bien-aimé. Beloved. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. I'm going to tell you something. There is a man. Ma tante. My aunt. Ma tante sage-femme. My aunt. Son mari. Her le husband. Grand frère de son mari. Her husband's avec big brother. Sa femme. With his wife. Ils ne se parlent pas. They were not speaking to each other. Ils n'adressent pas la parole à sa femme. They do not talk to each other. Jusqu'à la dame est fatiguée, la dame est partie. Until his wife was tired and he left. Parce qu'il veut rester seul. Because he wanted to remain alone. Tu l'appelles téléphone, il ne décroche pas. When you call on the phone, she does not pick up. Il ne t'appelle pas. He does not call you. Vous avez mangé, vous n'avez pas mangé, il s'en fout pas mal. Whether you ate or not, he does not care. Qu'est-ce qui l'est arrivé? What happened to him? Malgré il a l'argent. Despite him il possessing money. Il a tout. Despite qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? What happened to this écoutez-moi man? Écoutez-moi très bien. Listen to me vous carefully. Vous croyez que vous êtes déjà au ciel. You believe that you are in heaven. Vous croyez que vous êtes au-dessus des gens. And you think that you vous are above croyez people. Que pour vous là c'est fini. You think that for you it is all accomplished. Vous savez ce qui est arrivé? Do you know what happened to him? Quelque chose l'est arrivé. Something happened to qu'est-ce him. Qu'est-ce qui est arrivé? What took place? Il allait dans la douche pour se doucher. He went to go take a shower et in puis the il est glissé, il est tombé. He slid and fell. Comme il ne veut pas. Personne s'approche de lui. Since there's not anybody to get close to him. C'est comme quand quelqu'un le touche, c'est comme son inspiration va s'éteindre. It is if somebody touches him, he cannot breathe anymore. Tu vas sonner sonnerie de sa porte, la fatiguée. Il écoute très bien. When you ring the bell, tu vas cogner la porte fatiguée. Il te voit très bien. Or knock the door, he sees you very well. Quand il est tombé. However, when he fell. Qui peut venir le prendre? Who can come and take him? Il est mort 4 jours dans la chambre. He died 4 days in the gonflé. He was so il met toujours son téléphone silencieux. He always put his phone on silence. Les enfants appelaient fatigués. The children called tired or asleep. Si c'est l'argent, il a tout. Some are in America, some are in Europe. Money, they have everything, but look at the pride. Quelle arrogance qui a. Look at arrogance and pride, which was within him. La personne qui est morte, regardez, ça se gonfle sans ça. Toutes les quartiers, je sais quoi qui sont mauvais comme ça. His dead body was swollen and it stunk a lot. The entire neighborhood was asking, why stinks so much? Les familles ont dit, ça fait 4 jours, bien 5 jours, on n'attend pas. Si le grand frère vit. That's what the family said. It's been 4 days or 5 days that we've not seen him come out. What's the matter? Et ils ont cassé la porte. And they broke the door off. Ils l'ont appelé dans sa chambre. They called him. Et on allait dans la douche. Il a ouvert l'eau même. L'eau sauce. Bon. Before he died, he opened the water. It was just coming out, il gushing. Gonflé comme ça. His dead body was swollen. Toi, you, Dieu, child of God, l'esprit en toi. Who has the spirit ça inside si tu ne te repens pas. It's also going to happen to you if you do not tu repent. Tu vas mourir comme un chien. You're going to die like même a dog. Un chien aussi a de valeur. Les gens lui mangent propre. Even a dog also has more value because un people chien, eat it. Quand il tombe ici, if a dog falls here, les gens mangent ça propre. People eat it well. Un chien mort aura de valeur plus que toi. A dead dog will have more value than you. Si tu ne te repens pas. If you do not repent. Si nous nous repentons if pas. If we do not repent. Je bénis le nom d'un président. I bless the name of a president. Je ne vais pas appeler son nom ici. I will not call his name here. J'ai appelé son numéro. I called his number. Il a décroché. And he picked up. En tant que président. As a president. Regardez ce qu'il m'a dit. Look what he said to me. Il dit pardon, c'est qui m'appelle? He said forgive me, who is calling me? Quand mes frères sont avec moi, quand ils ont entendu la voix, ils disent hey, c'est le président, c'est lui. When the brothers were around me, they heard the voice and they said it's the president, it's him. Et je me suis présenté. And I presented myself. Il dit oh c'est toi? He said ah it's you. Oh excuse-moi. Ah, excuse me. Je veux te rappeler. I'm going to call you back. Nous sommes en réunion. We are in a meeting. En tant que présent en réunion, on l'a appelé. Il ne connaît pas le numéro, mais il a décroché.
As a president in a meeting, he does not know the number. However, he picked it up. Le numéro donc il connaît pour moi. The number. Je n'utilise plus le numéro parce que je ne savais pas là où le numéro est. C'est que je peux l'appeler pour l'expliquer que l'autre numéro que tu connais, je n'ai plus ce numéro. C'est pourquoi je t'appelle avec ce numéro. Mais si c'est quelqu'un comme il ne connaît pas, il ne va pas décrocher en tant que président. My number which I used to use, it got lost, so I was calling him to notify him that the other number is lost and this is my new number. However, as a president, if it was somebody else, they would not pick up a number which they do not know. En tant que président, as a president, il a décroché. He answered. En tant que président, as a president, il demande pardon, c'est qui? He said, pardon, who regardez is it? L'humilité. Look at the humility which Dieu he had. Dieu vous élève, monsieur le président. May God elevate you, vous Mr. President. Dans votre âge pour votre humilité. May he elevate you for your humility. Pour l'amour là que vous avez. The love that you have. Mais bien aimé. My beloved. Pour les 5 minutes comme il m'avait dit. As for 5 minutes. Il m'a rappelé. He called me back. Regarde comment on a parlé. Look at the way we malgré spoke. Il est affirmé. Despite being in a meeting. On a parlé. We talked. Quand mes frères ont vu ça. When my brothers saw this. Ils croyaient qu'ils ont tous les galons dans le monde. They thought they had all the ranks in the world. Et ils ont violé le feu rouge. They went and passed red lights. Quand le soldat avait parlé, il dit, hey, tu connais, tu me connais. When the red light, when the soldiers were to speak. On a attrapé sa moto. They said, do you know me, do you know me? Et puis their motorcycle frère, was caught. On a attrapé ma moto. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai dit, monsieur le policier, fermez sa moto. Prenez ça. And he called me, he said, big brother, they caught me. And I asked him, what did you do? No, I crossed the red light. And I said, on a attrapé sa moto, close. Il a arrêté là-bas, il suppliait pendant 18 heures. J'ai dit, c'est bien fait pour toi. From 8 all the way until 6, he was begging because his motorcycle was c'est bound bien somewhere. Fait pour toi. I said, yes. Parce que tu étais là, comment appeler? Because you were there when they called me. Et c'est pour cela que tu veux te montrer aussi. And it's the reason why you want to show off. Bien aimé. Beloved. Méfions-nous. Let us beware. Faisons doucement. Doucement. Let us be careful. Fais-nous doucement. Let us be careful. Parce que ce n'est pas forcément ce que l'homme doit devenir. On doit voir forcément sur son visage. Non. Avant de le respecter. Non. It's not necessarily what a man is going to become that you're going to respect him. Non. No. Pas forcément. Not necessarily. J'avais des opportunités. I had opportunities. On m'avait dit de mettre quelqu'un en prison. They said to put somebody in prison. Je ne vous mens pas. I'm not lying to you. Vous le connaissez très bien. You know him very well. Mais j'ai dit non. But I said no. Dieu m'a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. God said to him vengeance, to him retribution. Mais pourtant les gens, tu connais, tu me connais, tu connais mes réactions, et tu connais les gens que j'avais, j'ai des grands. Oh, attends, j'appelle à leur oncle, colonel, général. Mais pourtant la personne qui est là-bas, tu ne connais pas son grade. However, people they say, do you know me? Do you know me? Wait, I'm going to call general, commissioner, this name, that name. However, the person you're talking about, you do not know their rank. Surtout. Vous qui avez des connaissances. Most of all, you have vous embêtez contact. Les policiers sur le chemin. You bother policemen on the road. Non. Notre président n'est pas comme ça. Our president is not like that. Non. No. Non. He is not like mais that. Méfions-nous pour cette vie. Let us be careful in this life. Méfions-nous. Moindre chose tu fais sortir ton téléphone. The slightest thing you bring malgré out your phone. Malgré tu as commis l'erreur. Despite you committing an tu error. Tu fais sortir ton téléphone. You bring out your phone. Oui. Monsieur le ministre, il vient de m'attraper. Toujours pour appeler le nom ministre. Mais bien aimé, les relations ne sont pas éternelles. Yes, Mr. Minister, they just caught me just to call out minister. Tout however, ça beloved, ne relations sont pas are not eternal. They are not eternal. Tout va arrêter un jour. Everything is going to stop one day. Tu comptes sur qui? Who do you count on? Et tu te comportes comme ça. And you behave in such a j'appelle way. J'appelle mon mari. J'appelle mon mari. Tu me connais mon mari. Il va arriver. Tu vas faire tout à l'heure. Attends voir. Bien aimé. Faisons-nous attention. I'm calling my husband. Do you know my husband? You're going to see right away. Beloved, let us be careful. Un monsieur. A man. Avec sa femme. With his wife. Il souffrait. They used to suffer. Et Dieu ouvrit la porte. And God opened doors. Le monsieur, Dieu l'a béni. God bless the man.
Il a pris sa concubine. He took his concubine. Oh, il a conçu une maison neuve pour sa concubine. He built a new house for his concubine. Acheté une voiture neuve, plus de 45 millions de voitures. He bought a new car, 45 million. Et sa femme. And his wife. À la maison. A home. N'a pas construit même pour lui. He did not build for her. Il n'a pas acheté même voiture pour lui. He did not even buy a car for her. Voiture dans laquelle quand tu es là, c'est chaleur. C'est comme tu rentres dans le soleil même. C'est cette voiture là que la dame a. The car that he gave her, it's a car which is full of heat. It's as if you are in the sun. Un jour, la dame a pris le voiture de soleil là. One day, his wife took this sun car. Au niveau de feu rouge, il voulait freiner là. Le frein aussi n'attrape pas vite. A red light, he wanted to brake, however, the brakes were slow. Et puis il a cogné le voiture de cette jeune fille, voiture de 45 millions, pas derrière, bye! And he knocked the car of this concubine, which was 45 million. Bang. C'est vrai qu'on ne cogne pas derrière. It is true that he did not hit her behind. Tu ne peux pas cogner quelque part derrière. According to the laws of auto school, you do not hit from behind. Quand la dame est sortie, when the woman came out, directement dit, tu es malade. Directly, this concubine tu sais told ce que tu wife, are you sick? Do you know what you did to my car? And the concubine slapped his wife. La dame l'a supplié. His wife begged the concubine. Pardon. Oh, please. Ah, c'est mon enfant qui est malade. It's my child who was sick. Qui a fait que je voulais te délier pour partir. Pardon. It's the reason why I wanted to deviate. No. Tu vas acheter. I'm sorry. I'm sorry. No. You are going to buy. Les gens ont venu supplier cette jeune fille. Non. People came to beg the concubine. However, chérie, she refused. Chérie, une vieille sorcière vilaine a cassé mon voiture derrière. Elle va le payer. Calme-toi, j'arrive. Non. Je l'ai tapé bien quand même. Oh, calme-toi, j'arrive. She brought out the phone and called, Mister, my husband, some old, ugly woman hit me from behind. Malgré que c'est ton voiture, on a cogné pas derrière. I slapped her. I'm coming. Elle te dit que son enfant est malade. Despite your car being nothing behind, however, la she tells you mourir. That her child is ça sick. De cela. Is about to tu die. Peux avoir de compassion. You need to have compassion. Tu peux avoir l'amour. You can also have love. À cause de cette malade. Because of the person who's sick. Pour le laisser. To leave him. Tu peux prendre son numéro. You can even take her number. Ou soit tu peux prendre l'enfant de ton voiture, tu la mets à l'hôpital. Après, vous allez regretter à l'amiable. Or you can take the car, the child, put you in your car, and take her to the hospital, and later on discuss. Et le monsieur est arrivé. And the mister came. Et puis il a gagné vraiment derrière. Calme-toi. C'est le mari de la dame. He said, dear, this woman loves me. C'est le mari de la dame. But it was his husband. La dame dit, oh Dieu, merci. It was her husband. He said, oh God, thank you. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai trouvé une voiture neuve. Today, I also found a new car. Et la dame s'est approchée et dit, tu connais le monsieur là? And that's what the wife told the concubine. Tu m'appelles vieille. Do you know the mister? Tu m'appelles vieille vilaine. You call me ugly. Tu connais celui qui Dieu utilise pour qu'il est là-bas que tu vois qu'il est beau? Do you know the person who used that you see the prends person? Prends le coup. Handsome. Pam. Prends encore le coup. Pam. Chérie, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Tu as cherché. The wife slapped the concubine. Bam. Take another one. Bam. Dear, don't you say anything? No, I don't say anything. Il a pris la clé dans sa main. And he took the keys from her hand. Toi, tu vas prendre la voiture du soleil là. Va prendre ça un peu. And told the concubine, you also take regarde the sun qui car. Est dans le voiture. Mon agent dit, tu ne prends rien. Rien. Look at the money which was in the car. She cried out, my money. You don't take anything. Il a pris son nothing. Enfant pour me mettre dans la voiture de climatiser. That's where she took her child. Arrivé à l'hôpital, la femme est guérie parce que c'est chaleur. Qui a étouffé la femme comme ça? She took her child, put her in the air conditioned car. At the hospital, the child was healed because it was heat which was disturbing him. S'il avait compassion. Had she had compassion. S'il avait l'amour. Had she had love. Je dis, madame, to say, madam, I forgive you. Je sais que tout le monde peut commettre des erreurs. I know that everybody commits errors. Là, il la met à l'hôpital. Et même si son mari vient, et puis il trouve, oh, tu vois, il va dire, oh, mais tu as trouvé une bonne femme.
So she takes the Chatre, une bonne femme. She takes the woman and her child all the way to the hospital. And when elle the husband pas comes, énervée jusqu'à taper. And when the husband comes, he will say that you vous found comment a dans good la vie, wife, a la good woman. Nous réserve beaucoup de surprises. Do you see how life reserves many surprises for us? La vie nous réserve beaucoup de surprises. Life reserves many surprises for us. Faisons-nous attention. Let us beware. Quand on est au téléphone. When we are on calls. Regarde comment on insulte. Look at the way we insult. Imbécile que tu es. Idiot that you are. Ta mère, ton père. Your dad, your mom. Et puis tu viens jouer aux gens. Viens voir comment je les corrige. And you come and play it before people. Look at the way I corrected them. Enfant de Dieu, c'est ta vie, ça? Child of God, is that your life? C'est tes comportements, ça? Is that your behavior? Et c'est ça là qui peut t'amener au ciel. Is that what's going to bring you to heaven? Tu as oublié. You forgot. Les gens étaient à bonne forme. People were in good shape. Aujourd'hui, ils sont malades. Today, they are sick. Les gens étaient sur les deux pieds. People are on their two feet. Aujourd'hui, ils sont paralysés. Today, they are paralyzed. Les gens vont, ils ont vu avec leurs deux yeux. People saw with their two eyes. Ils ne vont pas. Today they no longer see, they are blind. People are heard with their two ears. Today they are blind. People are rich, very wealthy. Today they are very poor. Fais-moi attention. Let us beware. Parce que personne ne connaît pas demain. Because nobody knows tomorrow. Demain nous réserve beaucoup de surprises. Tomorrow reserves us a lot of surprises. Demain est comme le nom de Dieu. Tomorrow is like God's name. Let us be careful. Demain nous réserve beaucoup de surprises. Tomorrow reserves us a lot of surprises. Let us be careful. Comment tu fais? How do you do? Quand t'appelles au téléphone. When they call you on the phone. C'est pas bon pour cette vie. It's not good having this kind of lifestyle. Dedans, nous sommes dedans. I'm concerned. We're all concerned. Let us repent. Repentons-nous sincères. Let us repent sincerely. Si nous voulons que Dieu fasse quelque chose de bon dans nos vies. If we want God to do something good in our life. Repentons. Let us repent. Et changeons. And let us change. C'est très 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 important. It is very important. Très important. It is very extremely important. Comment enfant de Dieu? Child of God. Comment enfant de Dieu peut se comporter? How can a child of God be? Quelqu'un t'appelle. Somebody calls you. Il te dit son problème. And explains their problem to you. Tu vas publier au monde entier. You take their problem and publish it to the entire world. Mais la parole de Dieu dit quoi? But what does the word of God say? Proverbe 24, verset 16 à 20. Proverbs 24, verse 16 to 20. Je la parole de Dieu, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe chapitre 24, verset 16e au 20e. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants. Écoutez, listen. La Bible a bien dit. The Bible said it juste, well. The just. Un homme juste. A just il man. Tombe jusqu'à sept fois. Falls to seven times. Mais Dieu a le pouvoir de l'élever. But God has the power to raise him up. Mais quand il est tombé première fois. When he fell the first time. Dieu a permis qu'il tombe pour faire l'expérience de la vie. God allowed him to fall in order to experience life. Pour comprendre ce qu'est la vie. To understand what life pour is. Pour comprendre plus que les autres. To understand more than other people. Souvent dit. Often we say. Les conséquences corrigent mieux que le conseil. Consequences correct better than advice. Quand tu donnes conseil à quelqu'un, when you give somebody advice, ils s'en foutent de ton conseil. They don't care about mais your quand advice. Le problème dont quand les gens entendent le conseil refuse, ils s'en foutent. Quand il va tomber dedans, il sera et il va comprendre tous vos conseils. Il va considérer tout l'important de tous vos conseils que vous avez donnés à la dernière minute. But when they fall into the problem, people were advising him against. That's when he's going to understand better what you were trying to advise him and counsel him. Bien-aimé, beloved, si quelqu'un tombe, if somebody falls, toi tu prends ton téléphone. You take. Tu dis à tout le monde, il est tombé. The phone and say, he fell. Mais lui va aller au ciel. But he's going to go to heaven. Parce que c'est écrit sur sa vie qu'il doit tomber. Because it's written in his life that he must fall. Pour fortifier quelqu'un qui va tomber aussi un jour. To strengthen somebody who's going to pour fall also one day. Pour fortifier quelqu'un qui ne doit plus tomber. To strengthen somebody who must not fall anymore. Vous connaissez le plan de Dieu? Do you know God's plan? Vous connaissez le plan de Dieu? Do you know God's plan? Mais regardez comment on se comporte. But look at the way we behave. Dieu n'aime pas ça. God does not like that. C'est pourquoi Michée 7, verset 7 à 8 dit. It's the reason why Micah 7, verse 7 to 8 says. J'ai la parole de Dieu, notre tout puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Michée chapitre 7, verset 7e ou 8e. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut.
mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, il mon dit, ennemi. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Don't rejoice on my behalf. Ne te réjouis pas. Don't rejoice. Tu appelles le monde entier. You call the entire world. C'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, ça? Is it God's spirit which is inside of you? Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. No, it's not God's spirit. C'est l'Esprit du monde. It is the spirit of the world. C'est l'Esprit du diable. It is the spirit of the devil. C'est pas bon. It's not good. Ne rejouis pas à mon sujet. Don't rejoice about me. Oui. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis tombé, because je me relèverai. If I fall, I'm going to get up. Dieu va me soutenir. God's going to support me. Dieu va me faire me. Sortir dans cette affaire. God's going to bring me out of this situation. Oui. Si je suis assise dans les ténèbres sera ma lumière. Si je suis assis même comme vous croyez que c'est fini pour moi, oh c'est fini pour moi, il ne sera plus levé. C'est fini, c'est assis, c'est dormi là-bas. Là-bas, la lumière de l'éternité avec moi. As you believe that it's finished for me, I am seated, it is screwed, it is done. However, God's light is with me. Oui. Amen. Bien-aimé. Beloved. Dieu, il est Dieu. God is God. C'est un Dieu d'amour. He's a God of love. Un Dieu d'amour. He's a God of love. On doit manifester notre amour vers nos frères et nos sœurs. We need to manifest our love towards our brothers and sisters. Regardez, monsieur. Look, for example, a man. Comme Claire Antoine. Like Claire Andou. Le monsieur sait très bien qu'il ne l'aime pas. The master knows very well that he does not love her. Mais il a piégé Claire Antoine. But he trapped Claire Andou. Il a piégé Claire Antoine. He trapped Claire Andou. Et tout ce qu'il faisait. And all that he was doing. Il a filmé tout leur rapport, c'est tout ce qu'ils ont fait comme animosité. Il a filmé tout. He filmed everything which happened, the sexual intercourse. Il a filmé tout. He filmed every single thing. Il a envoyé à Claire Andou. And send it to Claire. Si tu ne veux pas que je vais publier cette vidéo, if you do not want me to publish this video, tu dois obéir ce que je veux A à Z. You must obey everything which I'm going to tell you from A to Z. Elle a peur. She was afraid. Mon frère, si c'est moi, my brother, if it was me, publish it. Les gens jouent le porno, non? People play pornography. Les gens jouent porno, ils vivent. People play pornography and they are still alive. C'est pas ce qui est bon. It's not good. Mais si c'est ça, les gens jouent porno. However, if it's to publish it, faut people publier. Play pornography. Publish it. Publie. Publish. C'est tout. That's all. Elle a peur. She was afraid. Elle a peur. She was scared. Et puis elle a dit, je vais obéir, je vais t'obéir à la lettre. And she said, I will obey to you. I will obey you to the letter. Je vais t'obéir. I will obey you. Il dit, il faut quitter Ireland. Leave Ireland, he said. Je veux que tu quittes Ireland. I'm telling you to leave Ireland. La dame a obéi. And Claire obeyed. Tu amènes tous tes enfants avec toi, Ireland. Bring all your children from Ireland. Arrivé en Nigeria, je veux que tu me construis telle, je veux que tu m'achètes cette voiture telle, je veux. Mais la dame ne peut pas parler. Here in Nigeria, I need you to build me a house. I need you to buy me a car. I need you to buy to do this. But the woman was not able to speak. Jusqu'à l'empoisonner la dame. Until he empoisoned the woman. Pour me la dame, l'hôpital dit tu ne bouges pas, tu dois m'obéir. Quoi? Pourquoi tu es stupide? Pourquoi tu es bête jusqu'à ce point? Now to bring the woman all the way to the hospital, the man told him, "Do not move, obey me." How can you be stupid to this point? On peut trouver aucun remède. Là, il dit qu'on peut l'amener à l'hôpital. Avant, on a besoin de son passeport. Elle a pris le passeport, elle est cachée. Because she saw that there was no remedy, that's why I said, you know what? Take the woman to the hospital. Even her passport was hidden. Sa chaîne, elle a bloqué ça en son nom aujourd'hui. And he also blocked her channel in his name. Bien-aimé, avec téléphone, détruit la vie des gens. Beloved, with et a phone. Et toi, tu crois que tu peux vivre éternellement? Destroying people's lives, and you think you can live eternally? Arrester les gens. Recording people. Et tu crois que toi tu peux vivre éternellement? And you think you can live eternally? Non. No. Impossible. It is impossible. You cannot live eternally. Méfions-nous. Let us be careful. Méfions-nous. Let us beware. Cette vie.
In this life. Pour cette vie que nous menons. In this life, the life that we are leading. Et c'est les enfants de Dieu qui sont doués dans cette vie. And it's the children of God who are skilled and competent. Pourquoi tu m'appelles moi? Why are you calling me? Tu vois pas que je suis occupé. Don't you see that I'm busy? Mais tu sais que tu n'es pas occupé. Tu sais que tu n'es pas occupé. You know that you're not, you're busy. Écoute ton frère, écoute ta soeur. At least listen to your brother, listen to Mais your sister. Mais si elle te dit son problème, si tu n'as pas, il faut le consoler. Even if they say and you do not have anything to give them, comfort them. Pour le dire, ma soeur. To say, my brother, j'ai entendu ce que tu viens de me dire. I heard what you told me. Je n'avais pas moyen maintenant. But I do not have any means right now. Moi, si je vais contacter les gens. I also am going to contact people. Pour voir ce que Dieu va faire. To see what God is going to do. Je vais contacter les gens. I'm going to contact people. Pour voir ce que Dieu va faire. To see what God is going to do. C'est ce qui est bon. That's what's good. Mais tu vas publier à tout le monde. However, publishing to people. Méfiez-vous. Be careful. Il y a des gens quand ils savent qu'on appelle, ils éteignent leur téléphone. There are people when they know that somebody's calling them, they turn off their phone. C'est comme ça, vous, si vous allez appeler Dieu, Dieu va éteindre son oreille, il ne va rien écouter. That's how also you're going to call and God's going to turn off his ear. He's not going to listen to you. Plus loin encore, il y a les gens qui mettent les gens en liste noire. Worst, there are other people who put other people on blacklist. Depuis que j'ai connu téléphone à utiliser, Dieu est mon témoin. Je n'ai jamais mis quelqu'un en liste noire. Et j'ai dit que je ne veux rien savoir comment on met les gens en liste noire jusqu'à ce que je vais quitter ce monde. Since I began using the phone until now, I've never put anybody on blacklist. And I said, I do not even want to know je how to put savoir. Somebody on blacklist. God je is a witness. Comment met les gens en liste noire. Je ne veux pas savoir. I do not want to know how to put people on blacklist. Non, je ne veux pas savoir. I don't want si to know. Si je mets mon frère en liste noire. If I put my brother on blacklist. Si Dieu aussi me mettait en liste noire. And if God were to put me on blacklist also. Quand si les démons Satan venaient me attaquer, je vais appeler qui? About demons and Satan. Si j'appelle Dieu, who am I going to call? Comme Jérémie, le numéro de téléphone de notre Dieu, vous connaissez ça? Do you know our God's phone number? Jérémie 33, verset 3. Jeremiah 33, c'est son numéro verse 3. De téléphone. That's his phone number. Deutéronome 29, verset 29. C'est son numéro de téléphone. Deuteronomy 29, verse 29. Invoque-moi. He says, call je te to répondrai. Me, and I will answer appelle-moi. You. Appelle-moi. Call je me. Vais décrocher. And I will pick je up. Te montrerai les choses cachées that que tu ne connaissais pas. Hidden things which you did not mais know. Quand tu mets quelqu'un liste noire. But when you put somebody on black, liste noire. God's going to put you also on blacklist. Vous écrivez les choses aux gens quand vous serez éternel. Mais vous avez oublié que vous faisiez des enfants cette terre. You write things to people as if you're going to live eternally. However, you forget that you're going to have quand vous, avez, on this vous avez les populations devant vous, vous croyez qu'ils vous aiment. Qui vous a trompé? Qui est en train de vous tromper comme ça? When you have your entourage, you think that they love you. However, who deceived you? Je connais un pasteur. I know, for example, a pastor. Je connais un pasteur. I know a pastor. Très bien. Very well. C'est parce que quand il était en vie. When he was alive. C'est qu'il disait à ses fidèles. He used to say to his church members. Si quelque chose m'arrivait un jour. If something happened to me one day. And I were to die. Vous allez oublier ma femme et ça va. Non, papa. Pourquoi tu m'as dit ça? Oh, je ne. Les gens pleuraient. Are you going to forget my wife and my children? No, papa. People cried. Mais quand il est mort. But when he truly died. Là, il a que des dettes. He had the debts. Et il est mort à cause de ses dettes. And he died because of his debts. Il a pris médicament, il a avalé. He took medication and he committed suicide. He drank it. Il a avalé. He swallowed the medication. Mais la mort de cet homme. However, this man's death. Dieu merci que j'ai fait ma part dedans. God, thank you because I did my en part. À 4h du matin, Dieu m'a montré que cet homme doit mourir. At 4 in the morning, God showed me this man is c'est going ça, to die. C'est ça, on a envie de réutiliser le téléphone pour sauver ton frère, sauver ta soeur. That's the right moment to use the phone in order to save your brother, Dieu m'a to montré save your sister. Cet homme qui doit mourir. God showed me this man who was about to die. Je voyais comment le sang poursuivait l'homme de Dieu là. I saw the way the coffin was running il after the man. Secours. He was screaming, help! Il tombait son cœur derrière lui. He fell and the et coffin le was behind him. Aux dit, tu vas mourir. And the coffin said, today you are going to partout die. Tu iras, tu vas mourir. Wherever you go, you are going to die. Quand le sang
Et derrière cet homme de Dieu, when the coffin was behind this man of God, l'homme de Dieu venait derrière moi dans le rêve. The man of God went behind me. Quand in the le socle m'a vu, il se retient en arrière. When the coffin saw me, he drew back. Et je disais à l'homme de Dieu, reste derrière. And I was saying to the man of God, just stay Jésus behind me. La mort. Jesus overcame death. Ne bouge pas, reste derrière. Don't move from behind me, remain behind me. Mais le soccer commence à parler toujours pour l'effrayer. However, the coffin continued to speak in order le to scare dit, him. Le soccer dit, si tu ne quittes pas derrière cet homme. The coffin said, if you do not leave behind this si man. Si je compte jusqu'à trois. If I count until tu vas voir comment je vais t'écraser. You're going to see, I'm going to crush you. Il dit un. He said one. Je dis, il ne faut pas avoir peur. I told him, do not be scared. C'est un lion qui cherche quelqu'un pour le cribler comme le froment. It's a lion who's looking for somebody to crush. Il ne faut pas avoir peur de lui. Do not be scared of him. Il n'a pas de griffes. He does not have any claws. Il n'a pas de dents. He does not have any teeth. Il ne faut pas avoir peur de lui. Don't be scared, afraid of him. Il a compté un, deux, à trois. The coffin. Est-ce que tu as dit quelque chose? Il ne faut pas avoir peur de lui. Do you see? Did quand il a crié, when he growled, rrr, ah! One. Il a fui. The guy ran behind c'est là me. Le soccer le poursuit. That's where the coffin pursued him. Et j'ai vu comment le soccer veut le mettre au mur. Et j'ai crié, Jesus, je me suis réveillé ici. And I saw how the coffin was about to eat him up, and I shouted out, Jesus, and I woke up. J'ai appelé l'homme de Dieu là. I called the man of God. Il a décroché. He picked up. Et j'ai dit, quand il passait sa femme. And I said, bring the phone to sa the wife. Sa femme et ses enfants. And their children. C'est ça l'appel. Quand tu appelles sauver quelqu'un d'une situation grave. Ou bien, j'ai attendu. Ne sois pas dans la maison. Il y a les gens qui sont derrière qui veulent te détruire. Appelle les policiers. Fais ceci. On a besoin de ça pour aider, sauver. That's what you call a call. Use the call in order to save somebody's life. Do not come out of the house, but instead stay inside because outside there are people who want to kill you. J'ai to save people. À sa femme et ses enfants. I told his wife and his children. Je leur dis ne bougez pas. I told them, do not dégagez tous les médicaments qui sont autour de lui. Remove all medication away from him. Et soyez à côté de lui jusqu'à ce que je vais envoyer mes intercesseurs vers vous. And be close to him nearby until I'm et going to send my intercessors to you. Je vous dirai là vous allez amener. Et peut-être vous allez amener dans une église pour soutenir, pour prier avec lui. And I will tell you where to bring him, maybe in a church, in order to support and pray with him. Tout ce que j'ai dit. All that I said. Sa femme, ses enfants, tous ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné seul. His wife, his children, all left him and abandoned him alone. Et le monsieur a pris tout le médicament qui est avec lui, il a emballé tous les médicaments. And the master took all the medication which were with him, he swallowed it and committed suicide. Dieu merci, j'ai fait ma part. God thank you because I did my part. Son sang ne va pas tomber sur ma tête. His blood will not fall on my head. Mais quand le monsieur est mort, but when the man died, les églises, les fidèles qui criaient, non, papa, pourquoi tu vas dire qu'on va t'abandonner? Jusqu'aujourd'hui, même 5 francs, même 25 francs, personne n'est dans. Ils ont oublié sa femme, oublié ses enfants. Ils ont oublié tous. Personne ne vient pas même à l'église jusqu'aujourd'hui. Alors nous parlons. Toi qui es des fidèles aujourd'hui, tu crois que mes fidèles, Dieu m'a donné beaucoup de nations. Si tu sais vraiment les vraies natures qui sont à eux, tu ne pourras jamais dire que Dieu t'a donné beaucoup de nations. Tu crois ce qu'on appelle des nations? The church and the church members who were crying, they say, oh pastor, how can you say that? That we're going to abandon you. We're going to abandon your children. When he died, when he passed away, none of them sent even a 5 francs or 25 francs. They all abandoned him. They did not send anything to his wife, to his children, until today. You have many church members. You say, all nationalities are in my church. Beware. Do you know their heart? Dans vos églises. In your churches. Vous avez le numéro des riches seulement dans votre téléphone. You only have rich people's number. Numéro des pauvres jamais dans la vie. However, you do not have poor people's number. Et c'est chez les riches seulement vous visitez dans vos maisons. And you only visit rich people. Les pauvres ne pourront jamais cogner vos portes. The poor are not allowed to knock your doors. C'est pas bon. It is not good. Cette vie n'est pas bon. This kind of life is not good. Changeons ce comportement. Let us change our behavior.
Changez ce comportement. Let us change this behavior. Quand les gens prennent le téléphone. When people take the phone. Regarde. Look. Ils se mettent nus pour prendre photo. They are naked to take a photo. Ils disent à mon mari, chérie, regarde-moi. They say, dear, look at me. Toi, enfant de Dieu. You child of God. Et tu vas écarter tes cuisses. And you spread your thighs. Et le monsieur, si tu regardes, et puis tu dis, fais comme ça, fais comme ça. Le si fait comme ça. Vous êtes, toi, monsieur, tu es voyagé. Et ta femme, elle est en Afrique, toi, tu es en Europe. Et tu lui dis, n'a qu'à allumer au portable. Vidéo appel. Et tu lui dis, n'a qu'à se mettre nu. Et tu lui dis, qu'il n'a qu'à mettre la main là-bas. Tu lui dis, tu es malade. Elle n'est pas avec toi. Regarde les distances. Et tu es en train de les inciter. Elle va devenir prostituée. Attends, tu vas venir, tu vas voir l'homme sous lui. Bien fait de ce que tu l'as enseigné. And the man looking at you, he says, do this dear, do that dear. Are you sick? You man, you are all the way in Europe and your wife is here in Africa. And you tell her, do a phone call, do a video call. I want to see your body. Hey, take your arm, put it in your private place. Touch it, excite it. You are far away and you're exciting your wife. Just wait, you are making her into a prostitute. When you come back, you're going to see a man on her. Are you stupid? Vous êtes malade. Are you stupid? Et puis tu lui demandes, tu es mouillé? And you say to the person, are you wet? J'ai mouillé. I'm also wet. Vous êtes malade les deux, cinglés. Both of you are sick. Ça ne va pas. You are crazy. Si c'est à cause de ça vous utilisez votre téléphone, c'est plus la peine. If it's because of that that you're using your phone, it's useless. It is pointless. Tu ne dis pas, fais mon appel vidéo pour que je vois mes enfants, pour que je vois comment vous vous portez, pour que vous vous voyez. Et tu le prépares pour demain. Ne vous inquiétez pas. Prions ensemble. Soutenons-nous les uns les autres ensemble. Vous faites les bêtises. Les bêtises. You don't make video calls in order to say, hey dear, let me see my children, how they have been all of this time. Instead of doing that, you know, going together and praying in order to support each other, you do nonsense. The bêtises. You do nonsense, he said. The bêtises. You do nonsense instead. On va parler de bêtises au téléphone. If we're to speak about nonsense on the phone, on va pas quitter ici. We will not live here. Et après tu dis, tu es enfant de Dieu. And then later on you say that I'm a child of God. Vous êtes malade. You are sick. Malade mental. You are crazy. C'est quelle vie? What kind of life is that? C'est quel esprit? What kind of spirit is leading you? C'est quel esprit? What kind of spirit is inspiring you? Toi, tu es connecté chaque jour. 24 heures sur 24, tu n'as jamais lu la Bible. Là où on fait le porno, tu es connecté 24 heures sur 24. Là où on fait le comédie, 24 heures sur 24. Lis la Bible, non. Priez, non. Oh Seigneur. If it's you, you're connected 24-7, 24-7, where you need to go to watch pornography, you know every site. Where you need to go to see all of comedy shows, you know every site. However, you do not have any time to read the Bible, you do not have any time to pray, oh Lord. Chaque jour, tu vois, et c'est le plus riche du monde. Et regarde sa maison, regarde ses voitures. Et quand toi, tu as pris tout ton temps, tu regardes les voitures des gens, les maisons des gens. C'est quand toi, tu auras acheté un vélo. C'est quel temps? Every single time you see the richest person in the world, look at his house, the richest person in the world, look at his car. When are you going to have time to buy even a bicycle? Téléphone, allez examen. Vous cachez, vous mettez tous les preuves dans votre téléphone. Vous cachez ça dans vos matrices. Dangereux. Going on exams, you put all of the answers in your phone and you hide it in your matrix. Dangerous. Vous mettez tous les preuves sur vos cuisses. Vous écrivez tous les chemins. Vous écrivez tout partout. You put all of the tests on your thighs. Vous faites le moment de preuve et l'examen. The time of exam. Vous faites sortir téléphone dans vos matrices. You take your phones from the matrix. Et vous regardez toutes les réponses. And you look at all of the answers. Vous avez tous les diplômes. You have all of the diplomas. Pour exprimer, pour parler français, vous parlez comme charabi. To express yourself, to speak French. Vous ne pourrez pas écrire. You cannot write. Vous ne pourrez pas exprimer. You cannot express yourself. Bien-aimé. Beloved. Tu ne fais mal à quelqu'un, tu fais mal à toi-même. When you try to harm somebody, you're harming yourself. Enfant de Dieu. Child of God. Que Dieu nous aide. May God help us à se repentir. To repent.
Si quelqu'un vient, if somebody comes, un monsieur qui est parti en enfer. There was a man who went to hell. Parce qu'il voyait un monsieur sous là. Because he saw a drunkard. Qui il a appelé au téléphone. That he called on the phone. Et il a vu que c'est le monsieur sous là. When he saw that it is the drunkard man. Il a coupé l'appel. He hanged up the phone. Et ce sous là allait chez lui. And this drunkard came to him. Et le sous là l'a dit. And the drunkard asked him. Oh, je t'en prie. Oh, I beg you. Donne moi l'argent, mon enfant malade. Give me money. My child is sick. I want to bring him to the hospital. Donne pas ni un franc. He said, I will not give you even a single franc. Tu vas aller prendre, tu vas aller acheter l'alcool. Je te donne pas. Giving you money to go buy alcohol, I will not give it to you. Je te donne pas. I will not give it to you. Bien aimé. Beloved. L'enfant de ce pauvre est mort. The poor man's child died. Quand le riche est mort un jour, il allait en enfer. When the rich died one day, he went to hell. Dieu l'a dit, pourquoi tu ne l'as pas aidé l'enfant de ce pauvre? God asked him, why didn't you help this poor man's child? Il dit, Dieu, comme tu sais que c'est un soulard. He said, God, you yourself know that he is comment a drunkard. Comment un soulard peut avoir l'argent s'il permet son enfant à l'hôpital? Il va boire l'alcool. Il dit, tu devais le donner. S'il a bu l'alcool, toi tu as fait ta part. How can a drunken man having money can go and help his child? You know, he's going to go and drink alcohol. God told him, you should have done your part. Because of that, you cannot enter into my kingdom. Beloved, let us beware. Comment faire les choses avec nos téléphones. The way we use our phones. Si on voit qu'il appelle quelqu'un, on met sa liste noire. On éteint le téléphone. On bloque les gens. On croit que c'est la vie. Attention, méfiez-vous. If we see somebody calling us, we put them on blacklist, or we block them, or we hang up. Be careful. Vous qui êtes téléphone, moins de choses vous parlez, moins de choses vous parlez, moins de choses vous parlez, moins de choses vous parlez. Vous croyez qu'avec cette vie, qui peut vous prendre un jour dans son foyer, qui peut vous marier un jour? Méfiez-vous pour cette vie. You have phones, and the slightest thing, you call somebody. The slightest thing, you call somebody. When do you think, or how do you think, somebody will take you into your household one day? Beloved, may God help us. May God show us grace. The Bible says to love one another. To love one another. To support one another. Because the church members which are going to raise you today, they're the same ones who are going to throw you on the ground. Let God alone elevate you. Because God can never throw you down. It is very important. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. I need you, you also need me. Personne ne connaît pas demain. Nobody knows tomorrow. Méfions-vous avec vos appels. Beware with your calls. Méfions-vous, méfions-nous. Be careful, let us be careful. Nous tous, on est dedans. We are all concerned. On a qu'à se repentir. We need to repent. Je sais que tu as compris quelque chose. I know that you understood something. Je sais que tu as pris note. I know that you took note. Que Dieu nous fait grâce. May God show us grace. Tu as compris quelque chose. That you understood something. Fais un avec moi, on va prier. Be one with me, we're going to pray. Nous prions au nom puissant de Jésus. We pray in the power of the name of Jesus. Seigneur, j'ai donné ta parole. Lord, I gave the word. Un seul mot dans mon vie. One single word in our life. L'esprit du monde nous quitte au nom puissant de Jésus. The spirit of the world leave us in the power of the name of Jesus. Merci pour ton amour. Thank you for your love. Merci pour ta protection. Thank you for your protection. Merci pour la compréhension. Thank you for your understanding. Ta parole nous a délivrés. Your word has delivered us. Ta parole nous a transformés. Your word has transformed us. Merci. Thank you. Cette parole est tombée sur la terre. Bon terre. That these words have fallen on au good ground. De fruits de 100 à 100%. In order to produce fruits 100-fold. Gloire à ton Seigneur. Glory to your holy name. Merci que tu l'as fait. Thank you because you have done it. Changé nos vies. That you have changed our lives. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ que nous avons prié. In the powerful name of Jesus Christ we have prayed. Serrez tous ces requêtes dans le sang précieux de Jésus de Nazareth. Seal all these requests in the precious blood of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom.